Longtemps qu'on n'a pas parlé à la GoPro, vu qu'on s'est tapé 24 heures de bus et qu'on est arrivé à Charlton, il a plu, du coup on n'a rien fait. Et là, on a un peu de soleil, du coup bah on s'est motivé pour faire une petite rando là de 2 heures. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Le Fitzroy était au programme, mais il a plu ce matin. Du coup, pas de Fitzroy. Ouais. Bonjour, demain dimanche. Nouvelle dinguerie, on est parti voir un glacier. C'est fou. C'est le glacier Perito Moreno, troisième plus grande source d'eau douce après l'Antarctique et le Groenland. Quelle est la superficie du glacier Perito Moreno? Et oui Fred, figure-toi que la superficie du glacier est plus grande que la superficie de la ville de Buenos Aires. Voilà, le glacier est plus grand que nous, c'est reste quand même. Pas mal. Belle perche. Après cette promenée sur la terre, on va se promener en mer. C'est là qu'il va faire des vagues et que Léa va vomir. Oh, super. Super, c'est vraiment très bon. Mais dis-moi ouais. Jamy, avec le réchauffement climatique, quelles sont les conséquences sur le glacier? Et oui Fred, en effet, tu as bien raison, le réchauffement climatique a des conséquences dramatiques. Il s'avère que depuis 100 ans, 1914 pour être exact, 300 mètres de la face nord du glacier ont disparu et ne se reformeront peut-être jamais. C'est dramatique. Donc, trie vos déchets, bande de bâtards. Merde, je suis en train de me moucher. Il est foulu. C'est moi. Un bateau qui va durer 5 heures, on va aller voir le phare du bout du monde, des pingouins et peut-être des baleines. Et le Chili. Et le Chili. On va voir le Chili. Ah, et on va voir le Chili apparemment. On dit à l'oreillette qu'on va aller voir le Chili. Mais enfin, que le bâton. Thank you.
Hola, que tal? Jour 2 à Ushuaia. On fait la Tierra del Fuego. On est parti pour 15 km de marche. On va juste se promener, puis bah visiter le parc, ça va être joli. Il fait beau en plus, on a de la chance.